Bonsoir, Madame et Messieurs, et bienvenue sur notre chaîne d'actualité Info d'Afrique. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être toujours informé quand nous postons de nouvelles vidéos et surtout commenter afin de nous encourager à travailler pour vous. Merci à ceux qui l'ont fait et bon visionnage. Annonce de cette visite historique a été révélée par le, le journaliste Serge Daniel, le ministre des Affaires étrangères russe. Sergeï Lavrov sera à Bamako du 06 et 7 février 2023 dans le cadre de sa tournée africaine. Au Mali, le ministre Sergueï Lavrov rencontrera son homologue malien Abdoulaye Diop ainsi que les autorités de la transition malienne. Alors que les relations entre la France et le Mali se sont largement détériorées, Bamako s'est rapproché de Moscou pour l'aider dans sa lutte contre le terrorisme au Sahel. Le 20 mai 2022, le ministre malien, Abdoulaye Diop, à la tête d'une forte délégation, s'est rendu dans la capitale russe. Il a été reçu par Sergueï Lavrov pour renforcer la coopération entre leurs deux pays, rapport une source locale. Au cours de cette visite, les deux délégations ont eu une d'une séance de travail élargie après une tête-à-tête -tête entre Mr. Lavrov et son homologue Abdoulaye Diop. Notons que la délégation malienne était composée de trois membres du gouvernement, l'économie et des finances, des mines et de l'énergie, du transport et des infrastructures. Pour la question sécuritaire, Mr. Lavrov a souligné une bonne dynamique entre Bamako et Moscou affirmant que la coopération sécuritaire était primordiale pour le Mali et de soutenir que, ce sont des entreprises privées qui opèrent au Mali.